Merci. Quelle qu'elle soit. Bien évidemment, nous mettons d'abord en avant Bernard Maris, économiste, chroniqueur à France Inter, les dessinateurs Charb, Wolinski, Cabu et Tinius. Nous pensons bien évidemment également aux deux policiers, mais on y associe toutes celles et tous ceux qui sont tombés d'une grande violence guerrière. Donc un moment de pensée pour eux, mais aussi pour leur famille. Au-delà de cet hommage se doit d'aller beaucoup plus loin, parce qu'ils ont bien sûr touché des hommes et des femmes, des familles, mais ils se sont attaqués à des valeurs très fortes que nous devons bien évidemment défendre. La première, c'est la liberté de la presse, la liberté de s'exprimer, la liberté de dire, d'écrire, de dessiner, qui est incontournable de la République et de la démocratie. Et on ne peut pas accepter que l'on veuille bâillonner la liberté. Et puis, si la liberté est notre ADN ici en France, nous devons partout vouloir la porter. Cette agression guerrière qui n'a pas de nom, sinon que la volonté de barbarie, qu'on ne peut accepter ici, dans notre démocratie en France, mais dans aucun autre pays, nous entraîne à éviter, bien évidemment, les amalgames, tous les amalgames. S'il y a la liberté d'expression, il y a la liberté de religion pour celles et ceux qui veulent s'engager. Mais il y a surtout le fait que aucun engagement personnel, individuel, intellectuel ne peut justifier une telle violence. Et donc, cette réaction doit encore s'amplifier pour montrer que on ne nous divisera pas. La France, toutes les démocraties doivent se sentir unies, rassemblées contre tous les terrorismes qu'ils soient, parce que c'est de la fraternité dont il s'agit, de la volonté de tolérance pour vivre ensemble au-delà de ces fanatismes qui ne doivent pas nous emmener. Et aujourd'hui, nous sommes tristes, abattus, mais nous devons réagir tous ensemble. Et cette réaction, elle doit se concrétiser par des actes très précis. Bien sûr, des actes qui peuvent être symboliques, d'aller tous nous abonner à Charlie Hebdo dès demain, de pouvoir aller encore plus loin dans la volonté de faire que la fraternité ne soit pas qu'un mot, et de cultiver cette volonté de tolérance au-delà de celles et ceux qui veulent nous emmener dans ce tourbillon dans lequel nous ne voulons pas aller et nous ne devons pas aller. Et votre présence montre que nous devons tous ensemble militer, nous rassembler, unis, pour défendre la République, pour défendre la démocratie, pour défendre nos valeurs. Merci à vous. Ouais, elle se rassure sur un truc ou deux. C'est quoi cette histoire? C'est quoi ce délire? Non.